Ministère public contre M. Cécé Raphaël Ava, M. Alpha Amadou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kieboro Kamara, M. Brema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Oukeita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, le parti civil, M. Ouri Baye Loba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Ansoumane Kamara. La partie civile, la parole pour la suite de ces questions. Merci, Monsieur le Président, honorable assureur. Monsieur mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. Voilà. Et dans votre procès verbal, vous avez déclaré que dans la planification, vous étiez chargé du maintien d'ordre à la cimenterie et à l'Ansanaya, jusqu'au niveau de la périphérie du stade. Je veux savoir quel était le nombre de policiers postés à la cimenterie et à l'Ansanaya. J'ai répondu à ça hier, maître. Vous faites plaisir, l'effectif total faisait 300. Oui, mais pourquoi je vous ai posé la question? Oui. Parce que la commission nationale est indépendante, oui. La commission d'enquête nationale indépendante parle de 1200 policiers postés à la page 10, troisième paragraphe. On parle de 1200 policiers postés. Est-ce que vous êtes convaincu de ce nombre? C'est une en question. En tant que chargé du maintien d'ordre. C'est une question? Oui, c'est une question. Voilà. La CMI, c'est une unité dans la police nationale. L'effectif de la police nationale déployé ce jour ne pouvait pas s'arrêter à 300. Est-ce que vous comprenez? La CMI, l'unité de CMI de maintien d'ordre, par contre, quand vous prenez les postes de police, les commissariats urbains, les commissariats centraux et tout ce qui s'ensuit, plus les services de renseignement, mais ça va faire ce chiffre. Donc moi, je ne peux pas vous dire le nombre que la police nationale en matière de sécurité a déployé. Moi, mes éléments, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est une petite infime, une petite entité d'unité dans la police nationale. D'accord. Maintenant, au niveau de l'Ansanaya et de la cimenterie, est-ce que comme votre mission, c'était d'empêcher la manifestation, est-ce que vous avez empêché là-bas le regroupement des manifestants? Votre respect, cher maître, vous avez vu ce jour, à ce niveau, il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas eu de mouvement de foule. Les militants ont fait de façon, je crois certains, même après la prière, sont tous descendus vers la ville et ils sont venus à la périphérie de Dixin. À ce niveau-là, jusqu'en haute banlieue, on n'a pas eu à intervenir. D'accord. Et vous avez parlé de 13 heures où les barricades ont été enlevées par vous en suivant le colonel Moussa Kieboro Kamara. Je veux savoir, est-ce qu'à 13 heures, le massacre était déjà consommé? À 13 heures, est-ce que le massacre n'était pas déjà consommé? À mon avis, non. Parce que quand on se réfère et à la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 15, il est écrit, sixième paragraphe, sixième
à 7e paragraphe, il est écrit que de 11h à 13h, les manifestants ont été tués, blessés, battus, dépouillés de leurs biens et les femmes violées. Donc vous vous dites qu'à 13h, vous ne pensez pas si le massacre avait commencé. Qu'en dites-vous ? Cette contradiction notoire entre ce que vous avez dit et ce qui est inscrit dans le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, la commission nationale d'enquête, je n'ai pas d'appréciation à donner sur leur travail. Je ne peux donner que ma version des faits. J'ai dit ici hier que les images seront décryptées, vous verrez les heures. Si déjà à 13h tout était consommé, la Croix-Rouge sait à quel moment ils ont transporté les blessés et les choses. Si c'était en plein 13h ou en plein 14h, ils le savent. Je crois, c'est par respect, je vous réponds. Sinon, tout ça, là, déjà, j'ai fini de répondre. D'accord. Vous avez dit que quand la débandade a commencé, vous avez ouvert la porte d'accès à l'annexe pour permettre aux gens de sortir. Je veux savoir, est-ce que ceux qui sortaient, il n'y avait pas d'obstacle devant, c'est-à-dire des militaires regroupés dehors, dès qu'ils sortent, on les brutalise? Maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais dit que c'est moi qui ai ouvert. J'ai dit que c'était ouvert. Les portes ont été cassées, c'était ouvert, certains se sont sauvés. J'ai dit que c'est des issues de secours, ça fait partie des issues de secours. Ce n'est pas moi personnellement qui ai ouvert une porte. Je vous dis que je n'étais pas à l'intérieur du stade. Moi, j'ai constaté des faits. Effectivement, il y a des gens qui sortaient là. J'ai entendu des victimes ici qui disaient qu'il y avait des militaires là-bas qui les bastonnaient et choses. Moi, je n'ai pas vu, je ne peux pas confirmer. D'accord. En tant que spécialiste du maintien d'ordre, à quel moment, selon la Convention des Nations Unies pour le maintien d'ordre, on utilise les gaz lacrymogènes quand il y a manifestation? À quel moment on fait usage des gaz lacrymogènes? Moi, je crois, j'ai pas étudié, en tout cas on m'a pas appris dans les écoles de maintien d'ordre qu'il y a une convention des Nations Unies qui indique à quel moment il faut utiliser les grenades lacrymogènes en maintien d'ordre. Ce que je sais, quand une manifestation est interdite, où les forces de sécurité de maintien d'ordre sont face à une foule hostile qui lance des projectiles qui peuvent amener à blesser des agents ou même à amener des dégâts, à détruire les édifices publics, automatiquement vous devez disperser avec des moyens conventionnels pour essayer de rétablir l'ordre. Ça, j'ai pas eu ça des Nations Unies. Je vous ai posé la question parce que vous avez dit qu'une fois que les manifestants sont à l'intérieur du stade, qu'on ne devait pas faire usage de gaz lacrymogène. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Je voudrais, bon, je crois que vous voulez toujours, je vous ai dit, techniquement, nous sommes dans une maison ici, fermée. Si nous devrions remplir ici, et qu'il était amené à ce qu'on sorte tous de cette porte, si c'est moi qui ai chargé de venir vous charger ici pour que vous sortiez de force, je ne le ferai pas. Je ferai de façon que vous sortez un à un, celui qui vous a amené ici, et je l'interpellerai. D'accord. Parce que malgré que la loi m'autorise de vous charger, mais en vous chargeant, vous pouvez vous blesser entre vous. Moi-même, je peux vous blesser, je peux même vous blesser. Et puisque la mission principale de la police nationale, que le citoyen soit en faute ou qu'il ne soit pas en faute, notre première mission, c'est de protéger les citoyens et leurs biens, surtout leur intégrité physique. Donc, quel que soit le dégât qu'ils commettront, la priorité d'abord, c'est de leur protéger. Quitte à même nous-mêmes, on perd notre vie et qu'on soit blessé. C'est pour cela, vous allez remarquer, dans nos rangs, il y a beaucoup de policiers qui ont perdu un œil. D'accord. Est-ce que, concernant les instructions que vous avez reçues du directeur général, M. Valentin Abar, est-ce que l'arrivée des militaires était prévue au stade? Est-ce que vous étiez informé que les militaires devaient arriver pour vous renforcer? Maître, vous êtes dans votre devoir, cher maître, pour vous satisfaire. Je vous ai expliqué hier
ce que le DG m'a dit. Ils étaient à un PC, il y a une planification qui a été faite. En plus du dispositif global de la police nationale, dont l'effectif vous faites allusion, ma part, en tant que commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, je devais sécuriser de la cimenterie en passant par l'Ansanaya jusqu'à la périphérie du stade. Et que l'esplanade du stade et son pourtour devaient être sécurisés par le groupement mobile d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce n'est pas des militaires, ça c'est des services régaliens de maintien d'ordre. D'accord. Est-ce que les militaires que vous avez vus au stade ressemblaient, est-ce que c'était l'effectif d'une section, d'une compagnie ou d'un bataillon? Les militaires que vous avez vus au stade, parce que tout ce monde-là, pour les massacrer, il faut beaucoup de militaires. Donc, est-ce que c'était l'effectif d'une section, d'une compagnie ou d'un bataillon? Je crois que j'ai déjà répondu à Samet depuis le premier jour et même hier. D'accord. Vous avez dit que, à un moment donné, vous avez appelé le directeur de venir avec le chef d'état-major pour constater ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passait qu'ils sont venus constater au stade? C'est simple. Vous voulez me faire parler, cher maître, mais je... il se passait des dégâts. Il se passait qu'il y avait des morts, il y avait des blessés à secourir. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si ça n'était que... si les militaires n'étaient pas venus pour tirer, il n'y aurait pas eu de mort? Évidemment. Voilà. Est-ce que les seuls gaz lacrymogènes pouvaient créer un tel dégât? Si les grenades lacrymogènes devaient tuer, peut-être que nous-mêmes, nous tous, on serait morts avant aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant de l'effectif des recrues de Kalea qui sont estimés à 9000 hommes? Tout ceci était parti au stade. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je suis là pour la police, et ce n'est même pas pour la police entière, parce que je n'étais pas le directeur général de la police, je suis là pour la CMIS. Des recrues militaires, Kalea, je n'ai jamais même été à Kalea. Okay. Malgré que j'ai été DGPN, je n'ai jamais assisté à une cérémonie à Kalea. Donc ne me posez pas une question que je ne connais pas, ce n'est pas mon domaine. Oui, mais je vous pose la question parce que vous êtes témoin et que vous êtes, au moment des faits, vous étiez un acteur important parce que vous étiez à la tête de la compagnie mobile d'intervention de sécurité. D'accord. Je veux savoir, dans le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, que des manifestants pourchassés sont venus dans l'enceinte de votre unité et qu'on voulait les récupérer, mais la police n'a pas permis aux militaires qui les pourchassaient d'avoir mis main, de mettre main sur eux. Vous êtes informé de ça? Cher maître, je voudrais d'abord revenir. Quand vous dites que je suis, depuis hier, la question là se pose ici, acteur principal. Pesez vos mots, je n'ai jamais été acteur principal au 28 septembre. Je dis, vous êtes témoin. Témoin oculaire principal, non. Je suis témoin d'une partie, et une infime partie. La plus grande action s'est passée à l'intérieur du stade. Les plus grandes infractions se sont commises à l'intérieur. Ce que j'ai vu chez l'esplanade, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, ce que vous êtes en train de dire, que des gens ont couru, sont allés se confier à la CMIS, et que des militaires sont venus pour les rattraper et que mes éléments ont refusé, ça ne m'a pas été rapporté, et je n'étais pas là. Ce que je sais, des gens ont été raflés, déposés là, et ils ont été libérés aussitôt. D'accord. Est-ce que vous avez vu des personnes infiltrées, c'est-à-dire des militaires déguisés qui étaient habillés en tenue traditionnelle avec des gris-gris, qui certains d'ailleurs, entre certains d'eux étaient cagoulés? Vous avez remarqué ça au stade?
Cher maître, j'ai répondu à ça déjà. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai déjà répondu ça. Ok. Je dis, mon général. Cher maître. Vous avez déclaré que quand vous étiez à l'esplanade, la Croix-Rouge, les hôpitaux nationaux sont venus pour ramasser les cadavres, les corps, les blessés. Est-ce que ça c'est des propos, les propos de votre ministre, feu général Mamadou Ba Toutou Camara, paix à son âme. Il a dit qu'il a vu qu'il y avait des camions garés au Kansamburi, dont 22 corps étaient dedans. Est-ce que vous êtes informé? Est-ce que vous êtes informé de ça par le directeur, votre directeur? Parce que vous, vous recevez toujours des instructions du directeur, M. Valentin Abba. C'est une question. Cher maître, vous me posez une question qui n'a pas de sens. Moi, j'étais un subordonné. S'il vous plaît, vous n'avez pas à qualifier sa question. Vous n'avez pas à qualifier sa question. Si on vous pose une question, répondez-la. S'il vous plaît. Ok, monsieur le président. Je voudrais dire, la question que vous vous posez, moi, je n'ai pas la réponse. Le directeur général n'a pas à me rendre compte. Ce que le ministre a dit, est-ce que moi je peux commenter le dit des ministres? Ils étaient au sommet. C'est eux qui assistaient aux réunions de crise, tout ce qui se décidait. Moi j'étais dans la rue. Donc je n'ai pas de réponse à donner à ça. Monsieur mon général, est-ce que Richard Maître, après le massacre, en tant qu'unité qui était chargée du maintien d'ordre, vous avez fait un rapport? Vous avez fait un rapport de constatation? De ce qui s'est passé. Remontez à votre hiérarchie. Moi, ma mission était de constater les faits et rendre compte. Et j'ai fait venir mon autorité qui a constaté les faits de visu, c'est-à-dire physique. Et évidemment, il y a un rapport qui a suivi de ce que nous avons vu. Et c'est ce que je suis en train de relater ici. D'accord. Ça fait partie de notre mission. Il y a même un registre auquel. On reporte, il y a un journal de marche, l'heure à laquelle les éléments sont sortis, l'heure à laquelle on est rentré, tous les événements, tout ce qui s'est passé au cours de la journée, en principe, on le faisait et c'est avec ça. Et moi-même, j'étais sur le terrain, donc le compte-rendu était direct. Mon général. Oui, cher maître. Vous avez dit que quand les militaires sont venus, vous, votre mission est terminée. Normalement, est-ce que la venue des militaires devait mettre fin à votre mission, alors que vous étiez tenu par l'obligation de résultat de maintenir l'ordre jusqu'à la fin de la manifestation? Je crois, maître, le maintien d'ordre se fasse à des civils bras ballants ou armés d'armes blanches. Ça peut être même des couteaux, des cailloux, ça c'est possible. Mais quand déjà des PMAKARI, voire même des lance-croquettes, des grenades, vous ne pouvez pas me dire coûte que coûte qu'il faut maintenir l'ordre. Ça, ce n'est même plus l'ordre à maintenir. C'est de se sauver parce que c'est la vie qui est là. Je veux savoir, oui. Au niveau de la cimenterie et de l'ensanaya, à quelle heure vous avez posté vos hommes? Parce que vous vous inscrivez dans la logique d'empêcher la manifestation. À quelle heure vous avez posté vos hommes? Ça est dans mon PV, c'est à 4 heures du matin. Mon général. Oui, cher maître. Vous avez parlé du chef de cabinet, Monsieur Siba Alfred Toutou. À quel moment il est venu au stade en compagnie du directeur général et du chef d'état-major pour constater? À quel moment? Bon, je vous ai dit hier que la notion du temps, mais c'était le soir. Après les massacres, après tout, quand les militaires se sont retirés et que la Croix-Rouge était déjà en mouvement, ils sont venus. Oui. C'était dans l'après-midi. C'était le soir. Le soir, oui. Mon général. Oui, cher maître. Voilà. Est-ce que vous avez dit que les policiers n'avaient pas d'armes? Est-ce que c'était exclu?
qu'ils battent, qu'ils frappent les manifestants, qu'ils les dépouillent de leurs biens, malgré qu'ils n'avaient pas d'armes, mais avec la force physique, ils pouvaient le faire ou pas. Ce n'était pas exclu. Ce n'est pas tous les agents qui sont clean. Il y a des gens qui sont tentés à faire des choses interdites, mais c'est parce qu'on les apprend. Parce qu'on parle, on accuse tous les corps, excepté la douane, qui n'était pas au SAT. Donc, la police n'a rien fait. Selon vous, la police n'a rien fait, même une égratignure des manifestants. C'est une question? Oui, c'est une question. Maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, quand vous prenez la police en entièreté, moi je ne peux pas vous dire. Il y a des gens qui ont vu des policiers à l'intérieur du stade. Quelqu'un a dit ici hier que le président Cellidal a dit que c'est un policier qui l'a giflé. Mais ce n'était pas un policier de maintien d'ordre de mon unité. Mais le commissariat spécial du stade avait une vingtaine d'agents en tenue. Ce qu'ils ont commis à l'intérieur du stade, je ne sais pas. Ils étaient en tenue comme nous, c'est des policiers. Il y avait certains même qui étaient habillés en bleu ciel. Donc, formellement, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de policiers qui ont commis des exactions ce jour-là. Mais s'ils ont commis ces choses-là et qu'ils sont connus, l'infraction, il est personnel. Ils répondent. D'accord. Mon général, cher au stade, est-ce que on vous a remonté l'information selon laquelle qu'on a procédé à des pillages dans les centres de Bambeto et de Koza par les forces de l'ordre? Personne ne pourrait me remonter. En ce qui concerne mes éléments, aucune information ne m'a été remontée dans ce sens. Mon général, cher maître, au stade, non, quand vous avez replié au niveau de Donka, vous avez dit que vous attendez la gendarmerie. Le colonel Kebro est venu et vous a dit que le président n'est pas content de vous. Quelle est cette expression, selon vous, quand on vous dit ça? Cher maître, j'ai déjà répondu à ça depuis deux jours. On dit que le président n'est pas content de vous, vous avez démissionné. Vous, en tant que chargé du maintien d'ordre, quand le chef suprême dit ça, qu'est-ce que cela vous dit? J'ai largement parlé de ça. J'ai déjà répondu. Vous avez répondu à cette question? Ce que vous voulez dire? Je dis, est-ce que vous avez compris la question? Je dis, lorsque vous êtes remonté jusqu'au niveau de Donka, vous attendez le groupement d'escadrons, que M. Kebro est venu. Le colonel Kebro vous a dit, il était 13 heures, que le président n'est pas content de vous, vous avez démissionné. Vous, en tant que chargé du maintien d'ordre, qu'est-ce que cela signifie? J'ai déjà répondu. Vous avez répondu. Mon général. Oui, cher maître. Est-ce que vous avez assisté à des manifestations ici, au temps du CNDD, où on a envoyé des militaires? Non, cher maître. Vous n'avez pas assisté. Donc, pour vous, si on a envoyé les militaires, c'était pour les réprimer. Si les militaires sont partis, c'était dans l'intention de réprimer les manifestations. À vous de déduire. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, mon général. Merci, cher maître. Merci, monsieur le président. Messieurs les assesseurs. Mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. Merci. Oh, vous avez dit il y a un moment ici que vous aviez rencontré le colonel Tchegoro au moment des faits, qui était un ministre d'État. Et comment vous êtes retrouvé, étant chef hiérarchique à vous, l'un de vos chefs hiérarchiques, vous a-t-il donné des instructions? Si oui, lesquelles? Comment vous êtes retrouvé au stade,
ou dans les alentours, étant l'un de vos chefs, ministre d'État, vous a-t-il donné des instructions? Si oui, lesquelles? En tant que tel, cher maître, en tant que tel, non, il ne m'a pas donné d'instructions. Par contre, sa présence et le fait de regrouper les manifestants pour les sensibiliser, je savais déjà ce que ça pourrait aboutir, donc je n'étais pas partant, mais c'était lui le chef. C'était lui le chef. D'accord. Mon général, je veux que vous décriviez votre état d'âme au moment où vous avez vu les corps. Votre état d'âme, comment étiez-vous quand vous avez vu les corps en grand nombre étalés par-ci, par-là? Cher maître, devinez, je suis un être humain, musulman. Ouais. Je sais que l'âme appartient à Dieu. Ouais. J'ai plus de 35 ans de service. Je n'ai jamais enlevé l'âme, même d'une mouche, à plus forte raison un être humain. Que tu vois un, deux, trois, autant de personnes couchées, inertes, si vous n'êtes pas fort de caractère, vous tombez. Oui. Donc j'étais abattu. Oui. Jusqu'à présent, ça me dérange. Oui. Donc, vous confirmez que le nombre était important. Vous aviez pu dénombrer le nombre C'est une question. Oui, vous aviez pu dénombrer le nombre de personnes couchées. Maintenant, je n'ai pas pu dénombrer. Oui. Mais quand le nombre de morts va déjà... Tu arrives déjà à avoir physiquement 10, 20. Ah. C'est deux déjà, c'est trop. Oui. Voilà. En tout cas, d'après le rapport d'enquête internationale, on parle de plus de 150 plus. Donc, on ne connaît jusqu'à présent pas le nombre exact. C'est eux qui ont eu la chance et le temps de compter et d'archiver. Oui. Je n'étais pas dans cette commission. Mon niveau n'était pas arrivé là. Et... Donc, dites-moi, je n'ai rien dit dessus. Dites-moi, mon général, quand vous avez remonté l'information à votre hiérarchie, cette hiérarchie est arrivée sur les lieux. S'est trouvé qu'on a ramassé le corps déjà ou bien le corps était là, intact? Non, la Croix-Rouge est venue avant eux. Ils avaient commencé déjà les manœuvres, mais la plus grande partie des morts étaient là au stade. Étaient là. Et votre hiérarchie a vu ça. Et les camions militaires n'étaient pas encore arrivés. Hein. Oui. Donc, puisque c'est eux qui ont transporté la plus grande partie, puisque moi je n'ai pas vu, donc je suppose qu'ils étaient là encore. Oui. Donc, à l'arrivée de votre hiérarchie, la Croix-Rouge était déjà passée, mais ils n'avaient pas fini de ramasser les corps. Donc, un grand nombre était encore là, n'est-ce pas? C'est sûr. D'accord. Et quand votre hiérarchie a vu ça, votre hiérarchie d'abord vous a trouvé là-bas, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce que votre hiérarchie a dit ou a fait devant vous? Non, cher maître, le DG et le chef de cabinet, oralement, n'ont rien dit. Oui. Mais j'ai su que le DG était déçu, abattu, effrayé. Oui. Il était mis devant un fait accompli. Oui. C'était vraiment triste. Il était très triste. Oui. Depuis ce jour, mon général, avez-vous entendu parler de ces corps ou est-ce qu'on les a dissimulés ou enfouis? Avez-vous entendu parler? Étant patron de la CIMS, la CIMS s'occupe de choses du maintien d'ordre. Oui, oui, oui. On ne s'occupe pas, cher maître, avec le respect que je vous dois, on ne travaille pas ni à la morgue, on ne manœuvre pas les corps. Mais comme vous le dites, entendre sur les réseaux sociaux, j'ai suivi la vidéo de Mangian Sidibé. Voilà. C'est lui qui donne plus de détails et il cite même des gens. Ouais. La seule information que j'ai eue, c'est à travers ça. Et qu'est-ce que cette information vous dit? Il a dit ce que vous avez entendu là. C'est un journaliste qui parle. Oui. Mais s'il apporte les preuves, si cela est vrai, c'est horrible. Oui. D'accord. Donc, comme tout autre Guinéen, parce que tout le monde a entendu parler, où ils ont enfoui les corps, vous aussi, de la même manière, vous en avez entendu parler. Oui, oui, oui. Voilà. Et c'est regrettable. Mais dites-moi, mon général. Cher maître. Est-ce qu'on peut aujourd'hui confirmer que ni était la présence
des militaires, de la présidence au stade, il n'y aurait pas eu tant de morts, tant de massacres, n'est-ce pas? C'est évident. C'est évident. Merci. La police, oui, vos agents allaient pour continuer à rester, mais il n'y aurait pas un seul mort, n'est-ce pas? Cher maître, si vous avez remarqué, si vous suivez nos mouvements ici, oui, quand il y a des manifestations autorisées ou non autorisées, oui, la demande qui est déposée soit par la société civile ou les partis politiques, c'est de 8 heures, des fois jusqu'à 15 heures. Oui. Mais ils sont dans la rue jusqu'à 18 heures. Vous voyez, on se malmène, on fait les va-et-vient, tout se passe très bien, c'est dans les bandes de 20h, 21h, 22h que vous entendez qu'il y a des morts. Si c'est les forces de l'ordre et les manifestants, c'est de chasser et replier. Parce que nous, c'est ce qu'on nous a appris. Oui. Si ta vie est en danger, et en forçant, en exerçant une force sur une foule donnée, peut l'amener à le blesser pendant que toi, ta mission est de le maîtriser, le faire venir à la raison, ta présence ou ta formation n'a pas de sens. Monsieur Dara, dites-nous, vous avez assisté à l'arrivée de deux ou plusieurs pick-up des militaires. Si c'était une autre force extérieure, non régulière en Guinée, allez-vous réagir? Allez-vous riposter? Allez-vous vous opposer à la descente de ces militaires-là? Oui ou non? Si c'était... Cher maître, si je comprends votre question, oui, les deux camionnettes que j'ai eu à voir, oui, si c'était les militaires de notre pays, oui, de notre pays, de voilà, notre pays qui est venu de l'extérieur, oui, quelle a été ma réaction? Oui, oui, justement. Quelle serait ma réaction? Tout à fait, mon général. Allez-y vous opposer, allez-vous vous opposer? Ma réaction serait certes la constatation, oui, et voir dans la possibilité des choses, puisque déjà il y avait des unités spécialisé qui était positionné d'antiterroristes, informer ce service pour faire l'assaut. Oui. Mais moi, avec les équipements que j'avais, quelle que soit la force qui était là-bas ce jour, oui, mes moyens humains et matériels que j'avais ne me permettaient pas de résister à une telle force. Oui. Et effectivement, les militaires guinéens que j'ai vus correctement bien habillés en tenue de camouflage avec les bérets, moi je me suis dit que c'est des militaires régaliens, soit... Comme a dit leur commandant ici, ils sont venus pour sauver et essayer même de s'intercaler. J'ai été surpris d'apprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà. Après. Malheureusement, ce n'était pas ça leur objectif. Du tout. Pas du tout. Merci, monsieur le général. Merci, merci, monsieur le président. Merci, cher maître. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Monsieur Camara, cher maître, est-ce que devant le cours des juges d'instruction, vous aviez prêté serment? Non. Vous n'aviez pas prêté serment au moment où vous étiez dans le bureau du juge avant votre déposition? Non. Ça ne m'a pas été demandé. Saviez-vous que vous étiez entendu en qualité de témoin? Il vous a été notifié que vous étiez entendu en tant que témoin? Bon, si ce jour-là, le juge, nous étions deux, s'il m'a dit ça, je ne sais pas. On m'a dit de venir, j'ai reçu une convocation de venir faire ma déposition de ce que je suis en train de dire ici-là, de ce que j'ai vu au stade. C'était en tant que témoin ou bien c'était pour des compléments de dossier, je ne savais pas. Moi, je ne savais même pas que j'allais comparaître parce qu'à partir du moment que le directeur général était là, d'autres services, le directeur général des renseignements de la police et tout, le ministre de la Sécurité, c'était la haute hiérarchie, qu'un commandant puisse comparaître. Si vous me disiez ce jour-là que ben, personne ne croyait d'abord à ce jugement, et si ça devait se faire que c'est moi qui devais être là, donc je ne croyais pas, mais sincèrement, j'ai, entre moi et Dieu, j'ai dit ce que j'ai vu. Et puisque vous avez dit ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, pourquoi le premier jour de votre comparution ici, vous avez cherché concernant vos déclarations contenues dans votre PV de déposition? Cher maître, pour votre respect, j'ai déjà répondu à ça. Et le premier jour,
Ça a été une malcompréhension parce que moi j'ai dit à l'intérieur du stade. Effectivement, Toumba, à l'intérieur du stade, c'est Toumba qui était le plus gradé. Et avec et c'est le groupe qui est rentré, c'était la garde présidentielle et c'était le commandant. Donc, je maintiens ce que j'ai dit dans mon PV. Mais ce jour, vous savez, la première comparution est difficile et aussi l'essence de mots, si tu ne comprends pas tout. Et là où nous sommes là, vous avez vu là, dès que vous déraillez le président, vous devez vous taire. Donc, je reviens à ce que j'ai dit, je le confirme, je ne déraille pas. D'accord. Donc, ça qui veut dire que à l'intérieur du stade, selon vos propos ici, il y avait les militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tchigro. C'est ce que je pourrais dire parce que les Bien. Militaires qui sont rentrés, le commandant Toumba même était là et c'était ses éléments et c'est quelqu'un qui était respecté et vénéré par ces jeunes. Bien. Est-ce que vous savez que ce que vous avez dit là, c'est de la vérité? Les déclarations là sont de la vérité. Est-ce que vous le savez? Cher maître, moi je ne peux pas savoir si ce que je dis est la vérité ou pas. À la cour d'apprécier, je suis venu pour ça. C'est à eux de décrypter, de prendre ce qui est véridique et ce qui n'est pas de la vérité. Je suis obligé de, ici en tout cas de dire la vérité parce que j'ai déjà prêté serment. Bien. Est-ce que vous avez connu un certain Mamadi Dieye Kondé? Cher maître, vous dites, est-ce que vous connaissez un certain Mamadi Dieye Kondé? Mamadi Dieye Kondé? Oui. Non. Bien. Selon Mamadi Dieye Kondé, il dit dans son procès verbal à la page 2, il dit ceci: j'ai appris comme tout le monde suite aux enquêtes que ce sont les éléments de la garde présidentielle dirigés par Toumba qui se sont rendus au stade. Est-ce que cela ne vient pas confirmer ce que vous avez dit devant le juge d'instruction? Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas commenter. C'est sa version de fait. Je viens de confirmer ce que moi j'ai dit. Si en recoupant, ça se retrouve, encore voilà. C'est mieux. Tant donc, même. Donc les deux versions alors, indiquent la même chose, n'est-ce pas? Vous avez connu un certain Sori Kondé? Non. Il a, à l'époque des faits, il était au service du grand banditisme, anti-drogue et des services spéciaux. C'est un policier? Oui, non, un gendarme. C'est une question? Oui. Est-ce que vous l'avez connu? Cher maître, à part les policiers qui étaient détachés aux services spéciaux, que certains que je connais, tous les gendarmes qui étaient là-bas, là, je ne connaissais personne. Bien. Pour conforter ce que vous avez dit devant le juge d'instruction, nous allons également lire la réponse qu'il a donnée au juge d'instruction dans son procès verbal à la page 4. À la question qui lui a été posée, est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? Il lui répond ceci: je le confirme bel et bien. Ces bérets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba de son vrai nom, Aboubakar Sidiki Diakité. Ne voyez-vous pas que tout ce que vous avez dit, c'est de la vérité par rapport au commandant Toumba? Cher maître, je ne peux pas commenter la déposition d'un témoin puisqu'il viendra ici. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Si vous pensez que ça se rapproche, ça vous aidera. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Ce qui m'intéressait, c'était le passage. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, cher maître. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole pour poser juste quelques questions. L'essentiel ayant déjà été posé. Mon général. Cher maître. Avant tout, je voudrais savoir quelle est la différence entre général et contrôleur général. Les appellations des grades dans les différents corps, vous trouverez un autre nom, le général à la marine, qui s'appelle d'une autre manière.
Donc, contrôleur général, son équivalent, c'est un autre général de division. Inspecteur général, c'est général de brigade. Ça, c'est l'équivalence des grades sur le plan protocolaire. Mais à la police, un général 3 étoiles est un inspecteur général de police, dont je suis. Un contrôleur général, c'est un général 2 étoiles que vous connaissez. Quelqu'un a dit hier, contrôleur général, moi je ne suis pas contrôleur général, je suis inspecteur général, mais ce n'est pas grave. Mais ça, c'est l'équivalence des grades. Ça n'a rien à voir avec un grade militaire ou un grade quelconque. C'est propre au statut de la police et c'est standard à tous les pays du monde, surtout francophones. D'accord, merci pour cet éclairage. À plusieurs reprises, je vous ai entendu dire que lors de votre interrogatoire, vous étiez deux seulement avec le juge d'instruction Diawara. Vous l'avez dit à plusieurs reprises que vous étiez deux seulement. Bon, en ce que je sache, si vous le confirmez, je l'ai dit. S'il y avait quelqu'un camouflé ou bien qui était assis quelque part, je ne peux pas, parce que je ne dis pas formel, mais moi, en tout cas, moi, j'étais face au doyen Diawara, que je connais très bien. Il n'y avait pas de greffière? Vous avez été entendu sans greffière? Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne connais pas tous ces systèmes-là, et en ce moment-là. Il n'y avait aucune dame au bureau lors de votre interrogatoire? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Pardonnez-moi de cela. Je n'ai pas la réponse. D'accord. Je vais continuer. Mais vous constaterez quand même à travers votre propre procès verbal qu'il y a trois signatures en bas. Il y a votre signature, il y a la signature du juge d'instruction, il y a la signature de la greffière. Donc ne dites pas que vous... Bon, vous pouvez le dire, je ne vous interdis rien. Non, cher. Cela suppose que vous étiez au nombre de trois, au moins. D'accord. Ok. Alors, je voudrais continuer. Mon général, vous avez dit que dès que vous avez vu les militaires arriver, vous avez dit à vos hommes que votre mission est terminée. Vous avez pris la fuite. Est-ce que ces militaires-là étaient venus contre vous? Pourquoi fuir? Est-ce qu'ils étaient venus contre vous? Mes chers maîtres, j'ai tellement expliqué. À cet instant, on n'a pas fui. J'ai pas dit, si j'avais fui, est-ce que les explications que je viens de dire là, j'aurais le temps de le dire parce que ce serait fait après moi. Je dis, on s'est arrêté là parce que notre mission s'arrêtait. On s'est mis à l'abri pour constater. Et c'est ce qui fut fait. Ça n'a rien à voir avec la fuite. C'est devant les manifestants qu'on a fui pour venir attendre à Donka. Mais quand les militaires sont venus, on a esquivé. Parce que nous, on n'avait plus notre place sur le terrain, parce qu'il y avait plus fort que nous. Alors, ce que je ne comprends pas, oui, cher maître. Avant l'arrivée des militaires, vous avez dit que le colonel Moussa Tegoul Kamara était venu vous dire que le président de la République n'est pas content de vous. Vous avez démissionné. D'abord, par rapport à cet élément-là, je vous pose une question. Est-ce que vous étiez heureux que le président de la République ne soit pas content de vous parce que vous avez démissionné? Vous étiez heureux? Cher maître, pour agrémenter et vous faire plaisir, aucun subordonné ne peut être heureux du mécontentement de sa hiérarchie supérieure contre lui par rapport à la mission qui lui est confiée. Mais quelque part, si tes moyens humains et matériels ne te permettent pas d'accomplir la mission, il vaut mieux de te rendre, et s'il y a sanction, et tu seras sanctionné, que tu puisses commettre le pire. Mais je ne peux pas être heureux quand mon chef est fâché contre moi parce que je n'ai pas atteint les objectifs. Alors, vous n'étiez pas heureux parce que votre chef n'était pas content de vous. La solution, est-ce que c'était quitter le terrain pour que les militaires, vous-même vous avez précisé que c'était la garde présidentielle, les militaires qui sont censés être les yeux mêmes du président, pour qu'ils vous voient quitter le terrain, ou bien vous devez rester au moins pour montrer votre détermination pour lui donner satisfaction? J'ai déjà répondu à ça, maître. Personne ne vous a posé cette question-là. S'il fallait partir,
ou rester pour faire des efforts pour convaincre votre chef? Personne ne vous a posé cette question dans cette salle. Personne. Ok. Cher maître, on n'a pas quitté. Je vous ai dit qu'on a esquivé parce que nous, d'abord, on ne pouvait pas résister à ceux qui sont venus et nous ne savions pas pourquoi ils sont venus. Parce que au préalable, la planification et les informations que nous avons reçues de notre hiérarchie, ils n'avaient pas leur place. S'ils sont venus, ils sont au-dessus de nous. Quelles sont les nouvelles données? Je ne peux que constater et rendre compte. Maintenant, résister coûte que coûte, par rapport à qui et face à qui? Pas aux militaires. Et déjà, forcer aussi rentrer avec eux dans le stade pour constater ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire. Si aujourd'hui, j'étais amené à répondre de cela, peut-être que même je serais mené à certaines choses, certains allaient dire tel était là, il ne m'a pas assisté, et ceci, cela. Nous-mêmes, on était en position de faiblesse et notre vie même était en danger. Si je vous ai répondu, je ne sais pas, mais c'est la réponse que je peux donner. D'accord, je vais continuer. Qu'en est-il des trois morts? Les trois morts décédés au stade avant l'arrivée des militaires. Ces trois personnes-là sont décédées dans quelles circonstances? Cher maître, référez-vous à mon PV. Je ne dis nulle part là-bas que j'ai vu trois morts, même un mort, ou j'ai vu tel. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait cette déposition. D'accord. Permettez-moi de vous faire lecture de la commission d'enquête internationale sur l'esplanade. La CMIS était commandée par le commandant Assoumane Camara. Celui-ci se trouvait en compagnie du commandant Moussa Tigrou Camara à la tête de la BLADGB, lequel a discuté avec les leaders politiques. Une explosion due à une grenade lacrymogène ou autre, dont la nature exacte et l'origine ne sont pas connues, s'est produite sur l'esplanade et a provoqué la mort de trois personnes. Ce qui, par contre, a été entendu, c'est qu'Ansouman a demandé à Tchegro, afin de calmer la foule, d'amener ces trois morts, reprochant à ces derniers de n'avoir pas autorité sur l'esplanade. Vous vous rappelez? C'est la commission, cher maître, oui, c'est la commission c'est moi qui ai dit ça à la commission. Ça, ce sont les informations recueillies par la commission internationale d'enquête. La source, pas en tout cas moi. Je vais vous expliquer. Oui. Tout ce qui concerne l'affaire de mort dont vous dites là, je ne suis pas au courant de ça. Mais vous pouvez me croire. Une grenade lacrymogène, même si vous la lancez à bout portant, n'a pas d'éclat. Ça a des fumées, ne peut pas tuer trois personnes. Mais vous savez, les grenades militaires, vous déposez, ça fait autant de dégâts. Et nous, ça ne fait pas partie de notre dotation. C'est pour ça que je ne voudrais pas m'aventurer dans ce que je n'ai pas vu et connu. Je voudrais que vous restiez dans le cadre de mon PV et dans la déclaration que j'ai faite. La commission d'enquête nationale a mené une enquête sur le plan global d'ensemble auprès des tierces personnes. Chacun a dit à sa façon. Moi, personnellement, je n'ai pas été entendu par eux. Quand ils disent qu'ils m'ont vu au stade avec le ministre Kébro, c'est normal, j'étais là. Je vous ai dit, je n'ai pas nié que j'étais sur l'esplanade. La partie d'accord. Mais ce que vous venez d'expliquer là, le paragraphe que vous venez de dire, je suis innocent, je n'ai pas de réponse pour ça. S'il vous plaît, aucun témoin n'est dans la salle. Hein. Continuez. Vous dites que vous n'avez pas été entendu par la commission internationale d'enquête. En général, vous n'avez pas été entendu? Non. Je ne sais pas si la commission d'enquête internationale que vous dites, c'est composé d'experts. Non, moi j'ai été entendu à la DPJ.
Et ça, c'est le DG qui m'a dit encore d'aller donner nos versions de fait par rapport aux dégâts. S'il y a des policiers blessés, il y a des matériels gâtés. Dans ça, le commissaire est venu faire la déposition que le commissariat a été brûlé. C'était dans l'intention, après, pour la police nationale aussi, de porter plainte à part ça. Moi, je n'ai pas été entendu par une commission quelconque. Vous n'avez jamais été entendu à la direction générale de la police? Jamais? Non. C'est ce que je vous dis. Nous sommes venus à la DPJ faire la déposition que je viens de vous dire. Là. Et moi, oui, maître. Non, je ne vous ai pas dérangé. Allez-y. Je n'ai rien dit. Donc, si c'était ça, la commission nationale, indépendante, ça, je ne sais pas. J'ai été entendu. Le DG m'a dit de me rendre à la DPJ pour faire ce que je viens de vous dire. Là. Et moi, en gros, nous, on n'avait pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de véhicule brûlé, il n'y avait pas de policiers blessés. Donc, je ne me souviens pas tellement. On était dans le truc, mais c'est sûr, à ce niveau, oui. Vous vous rappelez quand même avoir été entendu en deux temps. Vous avez été entendu jusqu'à un moment donné. L'audition a été suspendue. Il y a eu reprise. Et à la fin, vous avez présenté à la commission d'enquête internationale les véhicules de la police qui auraient été endommagés par les manifestants. Vous ne vous rappelez pas de ça? Non, je me rappelle, mais c'était pas. C'était sur instruction de la hiérarchie. Le véhicule qui avait été endommagé, c'était une de nos fourgonnettes qu'on a présentées. C'était dans, sur instruction de l'autorité pour prouver aussi les matériels, les dégâts que la police avait reçus. C'était normal. Ça fait partie du bilan. D'accord. Je continue. Alors, le matin, vous avez difficilement accepté le colonel Moussa Tegoul Camara à l'esplanade. Vous avez dit qu'il n'avait pas sa place là-bas. Vous avez même appelé votre chef. Je pense que c'était pour vous plaindre. Il vous a demandé de le laisser et de mettre en place un dispositif pour le sécuriser. Le même colonel Moussa Tegoul Camara revient vous dire de libérer la route. Le matin, vous lui avez dit qu'il n'a pas sa place là-bas. Pour vous dire de libérer, permettez-moi, de libérer la route. Là-bas, c'est sa place. La question de la route, est-ce que c'est sa place? Monsieur maître, cher maître, je crois que j'ai déjà répondu. Non. J'ai déjà répondu, mais si vous n'êtes pas satisfait, je vous ai dit sur le plan technique, tactique. Quand l'ordre est troublé, un ministre de la République, surtout les fonctions qu'occupait le ministre en ce moment, n'avait pas sa place. Le ministre de la Sécurité, le directeur général, le haut commandant de la gendarmerie, de passage, c'était possible. Mais quelque part, puisque dans ses prérogatives, c'était le ministre chargé aussi des services spéciaux, c'était le patron des renseignements. Quelque part, il peut être là pour une autre mission autre que ce que je viens de vous narrer. En plus, une autorité aussi de son rang qui est sur le terrain avec vous, la voie publique est barricadée. Il vous dit de débarricader, c'est son droit. La voie publique appartient à tout le monde. Les manifestants de ce jour n'avaient pas le droit de bloquer la route. Et surtout que c'est cette route qui menait à Donka. Il pourrait y avoir des cas d'urgence d'accouchement, d'AVC, de ceci et de cela. Donc, il était en plein droit de nous dire de dégager. Et c'est un ministre. C'est pas parce que c'était pas mon ministre direct, mais c'est un républicain. Nous sommes des républicains, il fallait obéir. Alors, là, vous n'avez pas résisté. Alors, est-ce que c'était la priorité en ce moment précis où il y avait une foule immense? La priorité était de libérer la route ou bien d'aller au moins encadrer les manifestants qui étaient là? Mais j'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Il ne vous a, par exemple, pas dit que, comme vous avez démissionné, le président n'est pas content de vous, libérer la route, les militaires vont venir? Désolé, il ne pouvait pas me le dire, il ne l'a pas dit. Il ne vous l'a jamais dit? Jamais, cher maître. Mais dès que vous avez libéré la route, les militaires sont venus passer.
ce n'est pas pour le passage des militaires qu'on vous a demandé de libérer la route? Maître, je n'ai pas de réponse appréciée. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez dit que vous êtes allé au niveau du commissariat spécial. Vous avez trouvé qui là-bas? Quand vous avez vu les militaires, vous êtes allé au commissariat spécial du stade, c'est ça, non? Vous avez trouvé qui là-bas? Le personnel du commissariat. Qui? Vous avez trouvé qui, par exemple, là-bas? Nos collègues, la police. Je suis policier, on était à un poste de police. Donnez-moi le nom d'un seul de vos collègues que vous avez trouvé là-bas. Un seul. On va demander au président d'ordonner sa comparution. Un seul. Celui qui était connu d'alors de tout le monde, c'était le commandant de peloton Calonzo, que son âme repose en paix. Tout le monde le connaît. Il est resté longtemps commandant de peloton du commissariat spécial du stade. Il était là, c'était un ami, on a joué au ballon ensemble. Vous pouvez vérifier. Maintenant, les agents, je ne peux pas les connaître parce que ce n'était pas mon personnel, mais on était là en policier. C'est visible. Avant l'arrivée des militaires, ce commissariat n'était pas déjà saccagé? Le commissariat du stade n'a jamais été saccagé. Ça a servi même de refuge pour certains. Mon général, si vous insistez, je vais vous faire la lecture des déclarations de M. Laï Camara. Vous le connaissez? Ce n'est pas lui qui était le responsable de ce commissariat? Cher maître... Permettez-moi, je vais terminer. M. Laï Camara, le commissaire Kourouma, le peloton dont vous parlez, leurs déclarations sont là. Avant l'arrivée des militaires, et vous-même, quelque part, vous avez dit que ce commissariat serait déjà saccagé. Ça, avant même l'arrivée des militaires. Vous l'avez dit lors de votre déposition devant la commission d'enquête. Toutes ces personnes-là avaient fui pour aller au niveau de l'annexe du stade. Comment vous, vous pouvez aller vous réfugier là-bas, là où eux, ils ont tous fui? Vous pouvez dire que vous êtes allé là-bas et que ce commissariat n'a jamais été saccagé. Ils ont même précisé qu'il avait été incendié. Leurs déclarations sont là. J'épargne le tribunal de la lecture, sauf insistance de votre part, que ce commissariat était déjà saccagé. Ils ont même indiqué qu'un rapport a été dressé à cet effet et versé au dossier. C'est une question? Oui. Je vous dis ma version des faits. J'étais là. Le commissaire du stade dont vous dites, c'est sa déclaration. Il va vous envoyer les images du saccage, les bureaux qui ont été renversés. Si elle a été incendiée, il va vous envoyer. Mais moi, ce que je sais, ce commissariat n'a jamais été victime de violence, de manifestations. La preuve même, les dernières manifestations là, c'est là-bas le terminus des partis politiques, c'est là-bas qu'ils tiennent le meeting. Les policiers n'ont jamais été agressés à ce niveau. Je voudrais, ce qui n'est pas de mon domaine, moi j'étais à ce commissariat. Maintenant, ce qui est arrivé, s'ils disent que ça a été saccagé, après nous avons quitté. Si maintenant les gens sont venus, leur bureau a été renversé, les choses ont été, ils déclarent que ça a été saccagé, je ne peux pas parler à leur place. Donc ne m'amenez pas à dire quelque chose que je n'ai pas vu. Mais moi, ce que je sais à la police, c'est le commissariat de Dixine, et ça c'était la colère des manifestants en venant. Ils ont fait ça et je n'étais pas là. J'ai appris ça comme ça par le commissaire central d'alors. Mais le commissariat du stade, au moment que j'étais là, maître, croyez-moi, ce n'était pas saccagé. Nous étions là. Avec la permission. Et les fonctionnaires de ce commissariat même étaient planifiés à l'intérieur du stade. C'est ce qui fait que vous avez trouvé, certains disent qu'ils ont vu des policiers à l'intérieur. Comment on peut saccager le commissariat et en même temps ils encadrent les manifestants à l'intérieur? Donc, mais ce n'est pas de mon domaine, je ne peux pas trop m'aventurer. Avec votre respect, je voudrais que vous me parliez de cela. D'accord. Avec la permission du président, je ne lis pas les déclarations des autres personnes concernant ce commissariat-là, mais je vais lire un extrait venant de vous-même. Ce, avant l'arrivée des militaires, vous avez dit ceci aux membres de la commission. Avant même que Tchogbro tente de parlementer avec la foule, il a fallu disperser le petit groupe de manifestants qui s'était déjà constitué à proximité du stade. Pour ce faire, les manifestants ont été repoussés en direction du pont de Bellevue par un barrage de policiers qui les chassaient au moyen de grenades lacrymogènes. Au même moment, un deuxième groupe de manifestants attendait vers l'université où se trouvait son adjoint. Il s'agissait des leaders politiques qui avaient quitté le domicile de Doré et étaient empêchés de passer par le barrage de la police. À ce moment-là,
il a le sentiment que le commissariat du stade avait déjà été saccagé. Ce sont vos propos que la commission a couchés sur papier, tels qu'ils sont venus de vous. À ce moment-là, vous-même vous dites que vous aviez le sentiment que ce commissariat du stade avait déjà été saccagé, avant même l'arrivée des militaires. Vous vous rappelez de ça? Cher maître, avec le respect, la lecture que vous venez de faire, c'est une analyse qu'un groupe d'hommes ont faite. Ça, ce n'est pas venu de moi. Permettez, je suis clair et formel. Au moment que les leaders venaient et que le ministre est parti vers eux, il n'y avait pas de problème sur l'esplanade. Le commissariat n'était pas menacé, n'était pas cassé. Je ne l'ai pas dit. Si maintenant, dans leur analyse, et ils le disent, mais ça là, ça, ce n'est pas venu de moi. Mon PV est là. Je ne dis nulle part. Pourquoi je ne l'ai pas dit devant le juge? Ok. Mon général, est-ce que vous vous rappelez, peut-être que ça fait longtemps, que vous n'êtes pas allé vous réfugier au niveau de ce commissariat, vous êtes effectivement resté à l'esplanade où vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Et c'est là l'objet de votre présence, tant que témoin, pour vous nous expliquer. Il y a plusieurs passages dans vos déclarations devant la commission où vous avez indiqué que vous n'avez pas quitté l'esplanade. Vous êtes resté là-bas. Vous avez vu beaucoup de choses. Pourquoi vous dites que vous êtes allé au commissariat qui était déjà saccagé? Cher maître, avec tout le respect, je voudrais qu'on avance. J'ai déjà dit que j'étais à l'esplanade et ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit. Mais après, quand vous dites que la commission nationale a dit ci et ça, que le commissariat était saccagé, j'insiste et je persiste, le commissariat spécial du stade n'était pas saccagé au moment qu'on était là. Je voudrais qu'on avance. D'accord. Comme peut-être que l'objectif, c'est de ne pas nous expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'esplanade, c'est ça, non? Vous ne voulez pas expliquer. Là-bas, est-ce que vous avez vu Claude Puvy? Colonel Claude Puvy là-bas, à cet endroit. C'est une question. Oui. L'esplanade, c'est une zone visible, libre. Il y a même des maisons de concession en hauteur. Tu peux rester même sur ta terrasse, tu vois ce qui se passe sur l'esplanade. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Je vous dis et je persiste. La journée du matin jusqu'au soir du 28 septembre, jusqu'au jour suivant, je n'ai pas vu le colonel Claude Puvy de mes yeux. Je ne peux pas. Je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu. D'accord. Alors, je vous ai aussi entendu dire ici que vous n'aviez parlé au téléphone avec votre chef, le commissaire divisionnaire à l'époque, je ne sais pas il a quel grade actuellement, Valentin Abba, que vous n'avez parlé qu'une seule fois avec lui, c'est ça? Pour l'informer des dégâts survenus au stade, que c'est une seule fois que vous avez parlé avec lui au téléphone. Cher maître, oui. Comme vous aimez prendre les gens par les mots, je n'ai pas dit que j'ai parlé une seule fois. Je vous ai dit le matin, le DG m'a appelé. Ça, c'était au téléphone. Ça, c'est déjà une première. Je suis venu constater le fait que j'ai déjà dit. Une deuxième fois, c'est moi qui l'ai appelé. Donc, ça fait deux. Ça fait deux. Oui. D'accord. Donc, le matin, au moment où il vous appelait, vous étiez où? J'étais en haute banlieue, en à Matodo. D'accord. La deuxième fois que vous l'avez appelé, est-ce que ce n'est pas avant l'arrivée des militaires? Maître, j'ai déjà répondu à ça, avec tout le respect que je vous dois. Vous ne l'avez pas appelé pour lui dire qu'il y a un manque de matériel? Il ne vous a pas demandé d'aller au magasin pour prendre le gaz lacrymogène, avant même l'arrivée des militaires? Je ne me souviens pas. Si lui-même, il n'est pas venu vous demander, vous remettre lui-même en personne 50 grenades. Le DG au stade. Vous-même. Le DG ou bien moi. Le DG n'est pas venu vous remettre 50 grenades. Qu'est-ce que vous avez fait avec ces grenades-là, les 50? Maître, je n'ai pas de réponse. Vous dites? Non, j'ai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de réponse. D'accord. Alors, avec la permission de Monsieur le Président, je vais lire
la déclaration de votre chef, le commissaire divisionnaire Valentin Abba lui-même, qui dit ceci. Vers 11h30, après une phase d'observation, la foule a commencé à caillasser les policiers qui se trouvaient sur l'esplanade, lesquels se sont repliés et ont pris la fuite. Les manifestants ont alors occupé l'esplanade. On est en train de narrer les faits tels qu'il les a racontés. Hein. Lui-même a quitté à ce moment-là l'esplanade pour revenir au magasin afin d'y chercher le stock de grenades restantes, 50. Il a ensuite retrouvé vers 13h la police et la gendarmerie vers la porte de l'hôpital Donka, route de Donka en direction de Kamayeb, à environ 600 mètres du stade où elle s'était repliée et il a remis au capitaine Ansouman les grenades qu'il était allé chercher. Vous vous rappelez qui vous a remis ces grenades 50? Je n'ai pas de commentaire, je ne me souviens pas. Mais peut-être qu'il s'est fait. Peut-être que je n'étais pas seul. Il y a mon adjoint aussi qui était là. Peut-être qu'il a. Il a non, emmené. Vous, à vous-même. Il dit à vous, il vous a remis à j'étais vous. J'étais le commandant, mais non, moi je ne me souviens pas. Dire que le DG est venu à Donka nous trouver, je ne sais pas. Mais heureusement, lui aussi, il prouve qu'on était à Donka. Il sera là. Permettez-moi, avec la permission du président, toujours de lire votre déclaration par rapport à ces grenades. Ça, maintenant, c'est de vous qu'il est question. C'est vous qui parlez. Une fois la porte ouverte, les gens sont entrés et ceux qui marchaient en direction des forces de l'ordre ont été repoussés vers le stade par la gendarmerie, la CMIS et les gendarmes de Tiogro. À cette occasion, la CMIS a utilisé la cinquantaine de grenades que le directeur général de la police nationale était allé chercher et avait ramené. Ça, c'est vous qui parlez. C'est vous. Cette utilisation, c'était à quel moment? Je parle, c'est les 50 grenades dont vous voulez savoir l'utilisation. C'était à quel moment et à quelle heure? C'est le matin? C'est l'objectif même de votre présence. C'est vous qui devez nous expliquer ça, c'est pas moi. Je vais vous dire, vous avez voulu me demander qu'est-ce que j'ai fait des 50 grenades. 50 grenades à maintien d'ordre n'est nul. Au cours d'une manifestation houleuse comme la journée du 300 même est petit. Maintenant, dire que on n'a pas lancé de grenades, non. Les unités, ça les a été donné. Il y a eu des lancers de grenades. C'est normal, c'est conventionnel, c'est venu pour ça. Mais dire que le DG est venu me le remettre et que les explications que vous êtes en train de dire, je vous ai dit, quand le ministre Kéboro fut chargé après sa sensibilisation, il y a eu une charge qu'on a faite pour ramener les gens vers échangeurs. C'est là que les grenades ont été utilisées. Mais dire maintenant qu'à 13h, quand le ministre est venu nous dire de débarricader et qu'on est venu à l'esplanade, je vous ai dit et je persiste, nous on n'a même plus de moyens lacrymogènes. D'accord. Au moment où vous avez appelé le directeur pour l'informer de ce qui est arrivé au stade, vous étiez où? Comment vous l'avez appelé? J'étais à l'esplanade. Vous étiez à l'esplanade? Nous étions à l'esplanade, oui. D'accord. Mais lui, il dit que lorsque vous l'avez appelé, c'est pas ce que vous lui avez indiqué. C'est pas ça. Il dit quoi? Lui dit que vous ne lui avez pas dit que vous étiez au niveau de l'esplanade. Au contraire, c'est lui qui vous a demandé de revenir là-bas. Parce que vous lui avez dit que vous n'êtes pas à l'esplanade. Au moment où vous donniez l'information, il vous a alors demandé de revenir au niveau de l'esplanade pour voir ce qui s'est passé là-bas. C'est pas ça? Maître, c'est une question. Oui, c'est une question. Cher maître, je crois, est-ce que vous n'avez pas mélangé un peu? Je ne mélange jamais. Voilà, donc ce qu'il vous dit là, que c'est lui qui m'a dit de venir, ça c'était le matin. J'étais en haute banlieue, il m'a dit où je suis en contrôle. Il me dit non, reviens au niveau du stade, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements. C'est ça. Mais leur dit de venir constater les faits qui venaient de se passer au stade, c'est moi qui l'ai appelé et j'étais sur l'esplanade. D'accord.
Alors, permettez-moi de lire aussi, avec la permission du président, la déclaration du commissaire divisionnaire Valentin, votre chef, parce que vous, vous dites que vous étiez allé au niveau de comment on appelle ça, du commissariat spécial. Alors, je vous fais la lecture. Face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel en ce moment de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Avant qu'il revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samori. J'étais là lorsque le colonel en ce moment m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a eu des coups de feu. À ma question de savoir quelle est sa position, il m'a répondu qu'il est avec ses hommes basés entre le camp Boiro et le carrefour de la cité ministérielle. Je lui ai instruit d'aller immédiatement au stade voir ce qui se passe, tout en indiquant que je le suivais. Quoi ces variations-là, cette différence entre vos déclarations, vous témoins, et cher, les autres acteurs? Cher maître, avec le respect que je vous dois, le DG dit qu'il m'a dit d'aller en magasin m'approvisionner. En ce moment, le magasin des moyens conventionnels, c'est-à-dire fusils et grenades, était à ma base. J'avais un magasin. Et le stock, le magasin de stock était là. C'était le seul coin sécurisé. Donc, c'est moi qui gérais le stock et je le rendais compte. Peut-être en prenant, il fallait lui dire la quantité qu'on a eu à prendre et comment elle a été utilisée. Un. De deux, puisque ce jour, le DG n'est pas venu seul. Et puis ce jour, je n'étais pas aussi seul. J'avais mon adjoint et les éléments qui m'entouraient. Ils pourront vous dire où le DG nous a trouvés. Je vous ai dit, le regroupement de Donka devant le camp Kamen, ça c'était vers les 13 heures. Le DG, ils étaient au PC. Donc, dire qu'il y a dichotomie entre sa déposition et moi, on ne peut pas avoir les mêmes versions. On n'a pas été interrogé au même moment. Il ne peut dire que ce que certainement lui semble bon, mais ce que moi j'ai constaté et que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de dire depuis 3 jours. Bon, mon général, je ne me disperse jamais. Je ne parle pas du stock. Je parle, ça c'est après. Après tout ça, quand il y a eu les tirs au stade, au moment où vous appeliez votre chef, vous avez dit que vous étiez au niveau de l'esplanade. Et votre chef dit que vous lui avez dit que vous êtes entre la cité ministérielle et le camp Kamaen. C'est lui qui vous a demandé de revenir au stade, de voir qu'est-ce qui se passe. Et il vous a précisé qu'il vous suit, ça veut dire qu'il vient. Ça, c'est pas la même chose. Maître, s'il vous plaît, si vous croyez à sa déposition, c'est moi qui ai constaté les faits, c'est moi qui étais là. Heureusement, ce jour, je n'ai pas joint le DG directement. Je suis passé par le téléphone de quelqu'un pour le passer. L'intéressé pourra vous dire où ils étaient et qui a appelé. Donc, il ne faut pas trop polémiquer dessus parce que je ne peux pas commenter son PV parce que c'est lui qui a fait sa déposition. Mais en ce qui me concerne, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Il n'y aura pas de polémique. Il n'y en aura d'ailleurs jamais. Ce jour, est-ce que vous-même, vous avez parlé avec le président Dadis? Avec? Avec le président Dadis, vous avez parlé avec lui? Bon, pour le respect que je vous dois, cher maître, il y avait tellement d'échelons que je n'avais même pas accès au président. Je ne pouvais pas. Rien ne me liait au président dans ce sens. Je n'ai même pas rendu compte au général Toto, qui était mon ministre tutelle, de tutelle, à plus forte raison, le président. Alors, qui vous a transmis les instructions du président vous demandant de libérer les manifestants qui étaient séquestrés à votre base? Quand le ministre est venu à la base pour passer le message, demandez-lui si j'étais là. Moi, je n'étais même pas là. J'étais encore sur le terrain. Et, mais puisque il y a un officier de jour et de semaine, les instructions ont été données et c'était un ministre connu et fort écouté. Ses instructions, et puisqu'il était en contact direct avec le directeur général, donc il ne pouvait pas y avoir opposition. Et c'était aussi normal de libérer les gens parce que, voilà. J'ai dit, qui vous a transmis les instructions du président? Personne. C'est vous-même qui a... Alors,
Vous avez libéré ces hommes-là sur l'instruction de qui? Mon service a libéré. Quand vous dites que vous avez libéré, ce n'est pas ma personne. Mon service a libéré, mon représentant qui était là, ils ont libéré. Les éléments qui étaient là raflés pour l'ordre, pour trouble à l'ordre public, sur l'instruction de l'autorité, le ministre est venu, il les a libérés. Trouble à l'ordre public. Ils ont été arrêtés, torturés. Si je rentre dans la lecture des narrations qui sont là, comment les gens ont été torturés là-bas, vous dites qu'ils ont troublé l'ordre public. C'est comme ça que vous traitez les gens qui troubleraient l'ordre public? C'est une question. Oui. C'est une question, maître. Oui, oui. Cher maître, je ne commente pas. Chose pour laquelle les gens ont été déposés et ceux qui les ont déposés, c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il y a eu des tortures à la CMIS et tout ce qui s'ensuit que vous êtes en train de dire, de ce jour 28 septembre au jour suivant jusqu'aujourd'hui, nulle part une victime s'est plainte devant moi. Je n'ai été convoqué pour dire voilà, ton chef de poste a commis ci, il a commis ça. C'est vous qui le dites ici, donc je ne peux pas commenter ça. Même de l'argent, l'argent a été payé là-bas par les parents pour la libération de leurs enfants. Il y a les pièces qui en font fin. L'argent a été payé là-bas. Je continue. Lorsque, entre guillemets, le colonel Moussa Tibour Camara aura été pris en otage par les manifestants pour le libérer, est-ce que vous avez procédé à des arrestations? Je ne sais pas si vous comprenez, vous parlez de prise d'otage, non. Et comment il peut être pris? D'accord, lorsqu'il a été bloqué par les manifestants. Comment vous pouvez dire qu'il a été bloqué? C'était à l'air libre. Le ministre était sur le véhicule, il est descendu. Et on l'a mis à l'abri et la foule a été chargée pour libérer le coin. D'accord. Donc là-bas, je ne me souviens pas, en tout cas moi, mes éléments, je ne me souviens pas quelqu'un qui soit arrêté là-bas et embarqué. Je tends vers la fin, mais permettez-moi de lire votre propre déclaration concernant cet épisode. Lors de la prise en otage, ce sont vos paroles, du commandant Thiebro, une vingtaine de personnes ont été interpellées dans le secteur du stade. Les personnes interpellées dans les zones périphériques n'ont pas été détenues à Bellevue, mais à la caserne de la CMIS. Ces personnes ont été libérées dans la nuit du 28-29 sur instruction du président. C'est vous qui parlez, sur instruction du président. C'est pourquoi maître, je vous ai demandé qui vous a transmis les instructions du président. Maître, c'est une question? Oui, c'est une question. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes dans un dossier même que je ne maîtrise pas. Tout ce que vous dites là, je ne sais pas à qui j'ai dit. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Tout ce que vous... L'autre PV dans lequel vous êtes... Non, vous avez parlé de maîtrise là, c'est ce que je n'ai pas compris. Vous avez parlé je ne maîtrise pas. Ah, ok. J'ai compris. Moi, continue. Je ne maîtrise pas. Continue. Ce que vous êtes en train de dire, le dossier dans lequel vous êtes, je ne sais pas à qui et à quel moment et devant quelle commission moi j'ai eu à dire ça. L'audition qui a eu lieu à la DPJ ne se focalisait seulement que les dégâts que la police a reçus. Des questions comme ça ne m'ont été posées nulle part. Nulle part, moi je n'ai dit quelque part dans une de mes auditions que le ministre Kébourg a été pris en otage. On prend quelqu'un en otage dans un enclos ou dans un lieu donné, mais à l'air libre, où il y a des issues derrière, toi tu peux fuir de derrière ou ceci, il avait tout ce monde là, je n'ai jamais dit. Et mieux, il y avait les caméras, vous voyez les images. Si c'est ce que vous appelez prise d'otage, vous voyez. Ça est sur les réseaux. Non, c'est pas moi qui appelle ça prise d'otage. Je ne donne aucune qualification. Je prends les choses telles qu'elles se présentent dans le dossier. Bon, je ne vais pas dire, maître. D'accord. Ces jours, est-ce que vous vous rappelez que vous avez effectivement vu le chef d'état-major général des armées? Moi? Oui. Non. Pourquoi vous voulez couvrir ça? Le témoin, c'est celui qui fait des révélations. Pourquoi vous voulez couvrir, alors que vous l'avez vu au stade, le chef d'état-major général des armées, vous l'avez vu? Maître, je vois que vous êtes dans votre domaine, mais je jure, sur mon serment que je viens de faire ici, le général Sano, ni le 27, le 28, le 29 et les jours suivants, je ne l'ai pas vu physiquement, je ne l'ai jamais rencontré à une réunion. Jamais.
D'accord. Mais votre chef, le commissaire divisionnaire Valentin, est arrivé devant vous? Il est arrivé devant vous, non? Vous êtes rentrés ensemble à l'intérieur du stade, non? Où ça? Au stade? Au stade, oui. Ah, mais j'ai répondu à ça. Il n'est pas venu avec le chef d'état-major général des armées? J'ai déjà répondu à ça. Le DG vous dira s'il est venu avec le chef d'état-major. Moi, j'ai déjà répondu, j'ai dit qui est venu avec le DG et avec qui j'ai constaté les faits. Je l'ai dit ici. Et ça est dans mon PV. C'est pas devant vous que les corps ont été embarqués dans les camions? Désolé, juge, non, maître. D'accord. Avec la permission du président, avant de terminer, je voudrais lire un passage de l'audition du commissaire Valentin Abba devant les membres de la commission internationale d'enquête. Une fois les grenades livrées, il s'est rendu à une réunion de crise qui s'est tenue à l'état-major général de l'armée au camp Samori Touré. Quand il était là-bas, le capitaine Ansouman a appelé pour dire qu'il entendait des coups de feu dans le stade. Premier coup de feu vers 13h30, 14h. Il a décidé de revenir sur place, accompagné du chef d'état-major général des armées, le colonel Sano. Ils sont arrivés au stade alors que celui-ci était pratiquement vide, hormis les morts et les blessés qui cherchaient à sortir. Les services d'urgence étaient sur place, en particulier la Croix-Rouge, les policiers et les gendarmes du service, etc. Il a expliqué comment finalement les corps étaient embarqués devant eux. Et vous, vous étiez là-bas, non? Pourquoi vous ne voulez pas nous dire ça? Écoutez, maître, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, le général Sano est passé ici. S'il est venu au stade, il vous a dit ici. S'il n'est pas venu, il vous a dit ici. Si le DG Valentin dit qu'il est venu avec le chef d'état-major général au stade, il sera là. Il va vous apporter la preuve. Si les corps ont été embarqués devant lui, il va vous expliquer. Certainement, il est en mesure de dire qui était là. Et peut-être il pourra vous dire le nom des chauffeurs. Moi, je n'ai assisté à rien. Je ne peux pas vous le confirmer. C'est sa déposition et je n'ai pas de commentaire. Mais c'est vous-même qui avez demandé à votre chef, M. Valentin Abba, de venir avec le chef d'état-major général des armées. Au regard des dégâts, ce dernier ne pouvait pas rester derrière. Ils sont venus ensemble. Vous étiez là-bas. Vous ne voulez pas dire ça au tribunal. D'accord. Alors, avant de terminer, pourquoi vous êtes même allé jusqu'à dire aux membres de la commission d'enquête que vous, vous n'avez pas vu de militaires entrer au stade? Quoi? Trop de variations dans vos différentes déclarations à divers niveaux. Pourquoi? C'est une question? Oui. Ah, maître, je voudrais, j'ai du respect pour vous, je voudrais que vous respectiez ma déposition. Cette autre PV dont vous êtes en train de commenter, je ne la maîtrise pas, je ne connais pas cette commission même, c'était qui? Ce que vous dites là, que moi j'ai dit que je n'ai pas vu de militaire entrer au stade? Je vous disais tout à l'heure que vous n'avez pas quitté l'esplanade, c'est là-bas que vous êtes resté, vous avez tout vu. Et vous l'avez dit à plusieurs fois dans diverses déclarations, je vais vous lire juste un très bref passage où vous avez dit ceci. La CMIS est toujours restée sur l'esplanade et avait pour mission d'encadrer la foule. Il y a eu des tirs continuels, mais il n'a pas vu de militaires ou de véhicules militaires entrer par le portail principal du stade. Oui, à chaque niveau, vous avez une déclaration. Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous cherchez à cacher? Mais, c'est une question, cher maître. Oui, qu'est-ce que vous cherchez à cacher? Qu'est-ce que je vais cacher? Vous venez de dire une phrase, dire que la CMIS était sur l'esplanade chargée de maintien et rétablissement. Je vous ai dit ma planification. Je vous ai dit le rôle qui nous avait été assigné. Ce qui m'a amené sur l'esplanade, je vous ai dit. Ce que j'ai constaté, je vous ai dit, dans mon PV. L'autre là que vous dites là, c'est vous qui le détenez. Celui qui a narré ça, je ne reconnais pas. Je ne sais pas comment ça a été fait. Vous êtes allé jusqu'à dire l'inimaginable, que Marcel, monsieur, Marcel était en civil, l'inimaginable. C'est une question? Oui, ça c'est inimaginable dans ces dossiers, au regard de son fond. Mais c'est vous qui le dites, comment vous pouvez vous déterminer? Et si enfin, dans ce procès, il est prouvé par des preuves et par des images que Marcel était venu en civil? Vous ne pouvez pas dire que c'est imaginable, maître.
supposer, mais vous ne pouvez pas être ferme dessus. Moi, je n'étais pas un enfant. Vous avez même dit, quand le procureur vous posait la question, vous avez dit que c'est d'abord le commandant Toumba qui était devant, ensuite Marcel est venu après. C'est ce que vous avez dit? Alors que le commandant Toumba nous a dit ici lui-même à la barre, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi, que vous avez dit que Toumba était derrière. C'est quand le groupe est passé, lui, il est venu. Il nous a expliqué ici, il était avec le groupe. Il dit, quand les Marcel sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer. Je leur ai demandé, qui vous a dit de tirer? Il dit, ils ne m'ont même pas répondu. Vous vous dites que c'est quand ils sont passés, le commandant Toumba est venu. Je vous pose la question. Vous avez suivi le commandant Toumba sur les ondes où il a dit que ce jour, tous les corps se sont mal comportés au stade. Tous les corps, à plusieurs fois, il a dit ça. C'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police qui était dirigée par vous, que tous ces corps-là se sont mal comportés. Vous êtes d'accord avec lui sur cet élément-là? Je n'ai pas de commentaire. Non, non, je ne vous demande pas de commenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je n'ai pas demandé de faire un commentaire. Non, à vous d'apprécier. D'accord. Vous avez aussi vu, commandant Toumba et le président Dadis, ici, s'est chargé. Vous avez vu Marcel quand il est revenu pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez peur en disant exactement ce que vous avez vu Marcel faire, commandant Toumba faire ou autre? Vous avez peur que vous aussi, à votre tour, vous soyez chargé? Moi? Oui. Je crois, maître, avec, cher maître, avec tout le respect que je vous dois, les amis qui sont là, à commencer par le président jusqu'au dernier, me connaissent tous. Si je suis quelqu'un de complexé ou qui a peur, j'ai peur d'une seule chose, c'est de mentir. Je n'ai peur de personne et je me reproche de rien. Si vous avez des preuves à apporter. Vous êtes un témoin pour nous apporter la vérité, mais de variation en variation. C'est vous question, qui parlez. Monsieur le président, je vous remercie. Je remercie également vos assesseurs. Cher maître, merci de m'avoir embêté. Merci à vous aussi, mon général. Merci. Longue vie à vous. Merci, monsieur le président. Je vais emboîter les pas de mes confrères, poser quelques petites questions, puisque l'essentiel a déjà été fait. Mon général. Cher maître Dès. Pour commencer, est-ce que vous connaissez... Le commissaire central de Dixin, Feu Mamadi Kourouma. Est-ce que vous le connaissiez? Je n'étais pas trop en contact avec lui, mais je le connaissais. C'était un de nos supérieurs, oui. C'était un de vos supérieurs? Oui. Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui a été tenue à la sûreté urbaine en prélude à la manifestation du 28 septembre? Non. Merci. Alors, du constat général... Il s'est avéré au cours de ce procès que l'heure d'arrivée des militaires au stade se situe entre 11h et 11h30. Pourquoi vous soutenez qu'il s'agissait de 13h? Pourquoi, mon général? Cette réunion à la sûreté s'est tenue après le 28 septembre ou bien avant? Non, j'ai déjà s'il vous plaît, répondez à la question. Bon, bah, je ne comprends pas. Alors, prenez alors. Du constat général... Le jour du 28 septembre, tout le monde s'est accordé sur un fait. Les militaires sont arrivés au stade entre 11h et 11h30. Que ce soit le commandant Toumba, que ce soit toutes les victimes qui se sont succédées ici à la barre, tout le monde parle entre 11h et 11h30, ils ont ouvert le feu. Pourquoi vous, seul, à cette barre, vous soutenez que c'était à 13h? Quelle est la raison, mon général? Bon, la raison est simple, c'est que j'ai constaté ma position, l'heure à laquelle nous avons débarricadé. Mais maître, cher maître, avec le respect que je vous dois, je crois que j'ai dit hier, le problème de temps, peut-être que les images, puisque ça existe. Et en décryptant, peut-être que déjà vous-même, vous avez les heures. Mais moi, j'ai dit ma version des faits. Vous savez... Moi, je sais ce que je sais à 13 heures, dire déjà que les militaires étaient déjà au stade à 13 heures. Peut-être, je n'ai pas la notion du temps, mais je ne me souviens pas. Parlez dans les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'accorder que sur cet aspect, vous vous êtes trompé, mon général?
Bon, si je dis que je me suis trompé, c'est comme si je nie ce que j'ai dit, mais ce que j'ai constaté, c'est ce que je dis. Maintenant, s'il y a des preuves contraires qui sont apportées, non, je m'en remettrai. Les preuves, elles sont simples. Quand, sur le même fait, que ce soit les accusés, que ce soit les parties civiles, tout le monde s'accorde à dire que c'était entre 11h et 11h30, vous vous dites que c'est à 13h, soit une heure et demie plus tard, il y a problème, mon général, vous ne trouvez pas? Est-ce que cela ne décrédibilise pas votre version à cette barre? Pour commencer. Maître, à vous d'apprécier. Je m'en remets à votre appréciation. Très bien, première contradiction. Ensuite, vous dites que vous êtes rentré au stade avec le chef de cabinet. Est-ce que vous réitérez cette déclaration? Je suis rentré au stade avec le DG accompagné du chef de cabinet. Donc, selon votre déclaration ici, vous n'êtes rentré qu'à trois en ce qui concerne la CMIS au stade, oui ou non? À trois? Oui. Après les événements? Oui, après les événements. Pour la constatation? Oui, pour la constatation. Oui, oui. Moi? Oui. Mon adjoint? Oui. Et les éléments qui nous entouraient, c'est... On est rentré avec... Donc, vous ajoutez maintenant les éléments. Bon, en tant qu'autorité, c'était le DG. Nous étions là pour les accompagner à constater. Mon général, il faut qu'on se comprenne. Quand vous dites, je suis rentré avec le DG et le chef de cabinet, il s'agit de trois personnes. Ah, d'accord. Et depuis quand vous ajoutez les agents? D'accord, avec le groupe qui était avec moi. Donc, vous verriez ici encore pour dire que finalement, vous n'êtes pas rentré à trois. Mais vous êtes rentré, en plus de vous trois, il y avait tous vos éléments qui étaient au nombre de combien? Je vous ai dit ici, j'étais avec une brigade de 10 personnes. Très bien. J'étais en compagnie de mon adjoint. Excellent. Alors, lequel d'entre vous a ouvert la porte de l'annexe du stade? À quel moment aussi? Non. Dites-nous. Désolé, non. Vous n'avez jamais dit ça? L'annexe du stade? Le portail qui mène à l'annexe du stade. Le grand portail? Le portail qui mène à l'annexe du stade, mon général. Je suis désolé, je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas. Le stade annexe? Vous ne l'avez jamais dit? Non, le stade, moi je ne l'ai pas dit. Le stade annexe, vous permettez, maître? Oui, je vous permets. Avec tout le respect que je vous donne, le stade annexe a une rentrée principale. Oui. Il a une rentrée du côté du palais de sport. Et il a une issue de secours vers la sortie en face de la mosquée. Mon général, oui. Ne nous dispersons pas. Vous avez ouvert quel portail au niveau de l'annexe? Je n'ai ouvert aucune porte. Vous n'avez ouvert aucune porte? Non, on peut... Est-ce que vos éléments ont ouvert une porte pour encadrer les manifestants? Non, je ne me souviens pas. Mon général, vous êtes certain? Je suis certain. Très bien. Est-ce que, en répondant à la question de Maître Kamano, mon confrère, vous avez dit aujourd'hui, ce matin, que vous en remettez à votre PV, oui ou non? Mon PV? Oui. Oui, oui. Mais c'est mentionné dans votre PV. Que j'ai ouvert une porte? Je vais vous faire lecture de ce passage, si vous permettez, avec la permission du tribunal. Oui. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. À l'intérieur du stade, ça c'est le dernier paragraphe, à l'intérieur du stade, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Kéboro. C'est vous qui avez dit ça? Bien sûr. Comment? Bien sûr, oui. Vous le maintenez? Oui, maître. Merci. Alors, il y avait des tirs de sommation. Eu égard à la débandade, mes hommes et moi avons attendu. Ensuite, certains manifestants se sauvaient. Nous avons ouvert la porte d'accès du stade annexe pour eux et nous les avons encadrés. Qu'en pensez-vous? Je ne me souviens pas. Est-ce que vous l'avez dit? Bon, si c'est dans le PV... Mais non, ce n'est pas si ça y est. Nous sommes devant le tribunal, mon général. Est-ce que vous l'avez dit, oui ou non? Si c'est dit ici, c'est ça, mais je... Très bien. Maître... Je prends pour acquis. D'accord. Que c'est vous qui avez dit ça. Ok. Alors, à quel moment vos services ont ouvert la porte d'accès du stade annexe? À quel moment de la journée? Je ne peux pas vous le dire.
Comment? Je ne peux pas vous le dire, cher maître, je persiste. Je ne peux pas vous dire exactement, même ce que vous dites là. C'est maintenant là que... Voilà. S'il vous plaît, mon général. Je crois que ce matin, il y a une grande évolution. Vous reconnaissez avoir fait des déclarations dans votre PV. C'est déjà un grand pas. Vous devez poursuivre sur ce chemin. Alors, lequel d'entre vous a ouvert cette porte? Et à quelle fin? Non, maître, si je ne peux pas vous dire exactement, c'est Paul Mpier qui a ouvert la porte. Mais toutes les actions que nous avons menées ce jour-là, c'était dans le cadre de sauver le maximum de personnes pour leur mettre à l'abri de ce qui devait arriver et très ce qui est arrivé. Donc, vous avez encadré les manifestants en ouvrant cette porte, oui ou non? Notre mission, dans un premier temps, était d'encadrer. Oui. Et dans le Toiboui, ce qu'on pouvait sauver, on l'a fait. Est-ce que on peut prendre pour acquis que vos services ont ouvert ce portail pour encadrer et sauver les manifestants? Certes, oui. Très bien. Donc, vous acceptez cette déclaration, oui ou non? Accepté. Merci, mon général. Est-ce que vous savez que ce portail, son ouverture, était justement en face d'un camion dans lequel étaient embarquées la plupart des personnes qui se sauvaient sur ce portail? Est-ce que vous le savez? La porte annexe? La porte annexe a servi de passerelle des manifestants du stade au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous le savez? Je ne le sais pas. Alors, vous avez participé peut-être indirectement à la conduite de ces manifestants au stade, au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que vous en êtes conscient? Non. Je vais poursuivre. Je voudrais vous permettre. Allez-y. Vous permettez? Allez-y. Vous parlez de quelle porte, maître? Je parle de la... C'est l'annexe, la grande porte de l'annexe qui sort sur l'esplanade. C'est de cette porte que vous parlez? Oui. Qu'il y avait un camion militaire garé là? Oui. À quel moment? Mais vous ne posez pas de questions. C'est moi qui pose les questions ici. Ah oui, excusez-moi, mais à ma connaissance, au moment là, non. Maintenant, moi, je vous apprends qu'effectivement, il y avait un camion qui raflait toutes les personnes qui sortaient à travers ce portail. Est-ce que ce n'était pas de connivence avec les bérets rouges? Non. Que cette action était menée? Non, ce n'est pas possible. Merci. Mais, mon général, nous connaissons quand même le passé des agents de la CMIS. Est-ce qu'en vos seins, il n'y avait pas certains qui se livraient à des violences gratuites pendant les manifestations, en âme et conscience? Maître, je vous ai dit ici, je ne peux pas dire absolument que tous les agents de CMIS sont propres, mais je voudrais que vous sachiez, la CMIS n'était pas planifiée là. C'est ce petit groupe que j'avais. Mais vous ne pouvez pas être formel que ceux qui commettaient ou ceux que, tout ce que vous venez de dire là, que c'était la CMS. Non, la CMS n'était pas à l'esplanade. Vous savez, mon général, il y a eu beaucoup d'enrichissements au cours de ces événements et vous devez être au courant de ça. Des téléphones ont été subtilisés aux manifestants et vos services sont particulièrement illustrés dans cette activité. Est-ce que vous êtes conscient de ça, mon général? Cher Mathieu, c'est une question, c'est très facile. Oui. Je peux être, peut-être que c'est vrai. Le téléphone en ce moment était un luxe. Si vous en connaissez des plaignants qui ont dit que c'est le général Asman qui a pris mon téléphone et a eu des preuves, les intéressés vous prendre... Pas vous personnellement, vos services. Non, non, je dis, c'est vous, pas c'est ce que je vous ai dit ici. Je vous pas... étiez le commandant de cette unité. Oui. Donc, les actions qui ont été posées par ces éléments vous engagent personnellement, oui ou non? Non, m'engage... Très bien, on continue. Permettez, on peut continuer. Avec le respect que je vous dois... Ne m'engage pas pénalement, mais moralement, quand on dit que ton agent a frappé, a malmené, a dépouillé des citoyens de ses biens, il serait bon qu'on connaisse cet agent pour le sanctionner, pour rétablir ce citoyen dans ses droits. Très bien. Si ce n'est pas fait, j'ai une responsabilité morale. Mais vraiment, ça, ce n'est pas des instructions qui ont été données et je n'ai pas... À ce niveau aussi, jusque-là, personne ne s'est plaint pour dire, voilà, ton agent là m'a fait ça. Sinon... Il y a plusieurs parties civiles qui pointent du doigt vos agents, mon général. Peut-être que vous n'êtes pas au courant du contenu de tout ce dossier. Je vous l'apprends. On va continuer, mon général, si vous le voulez bien. Oui, maître, oui. Alors, vous avez parlé de la brigade du stade, n'est-ce pas? C'est un commissariat du stade. Spécial. C'est un commissariat, c'est pas une brigade? C'était un commissariat spécial. Très bien, au commissariat spécial du stade. Oui.
Est-ce que vous savez que plusieurs exactions ont été commises dans ce commissariat? Vous étiez au courant? Non, je ne suis pas au courant. Et à quel moment vous êtes réfugié dans ce commissariat? Je vous dis, maître, j'ai déjà répondu à ça. Oui, mais c'est pédagogique, mon général. Je l'ai dit, je sais que c'est pédagogique. Permettez-moi, je l'ai déjà dit. Merci. Donc, on avance. Avancez. Est-ce que vous savez que des viols ont été commis dans ce commissariat? J'ai appris ça ici. Alors, comment pouvez-vous dire alors que vous, vous êtes réfugié dans ce commissariat sans constater une quelconque violence exercée sur un quelconque manifestant, mon général? Le commissariat. Est-ce que cela est possible? C'est possible. Ma position ne me permettait pas de voir ce qui se passe sur l'esplanade à la pelouse. Quand vous partez au commissariat spécial du stade, vous avez vu le bâtiment proprement dit, vous montez les escaliers, il y a le poste de police. C'est par manque de place, le commissaire d'alors a fabriqué sur la terrasse des bureaux. Et au couloir, c'est là, nous, les petits bureaux qui sont là, là, c'est là, nous, nous étions là pour regarder ce qui se passe. Nous étions focalisés sur l'esplanade. Maintenant, derrière, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Je ne peux pas. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Est-ce que vous avez rencontré le feu Mamadi Kourouma à l'esplanade du stade? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Très bien, on va passer. S'il vous plaît, celui qui est assis par là, si vous n'êtes pas en robe, allez derrière. Continuez, maître. Merci, merci, monsieur le président. Alors, on va poursuivre et parler de Marcel. Et est-ce que vous confirmez avoir eu une altercation avec Marcel Guilavogui avant les événements du 28 septembre? Je l'ai dit hier, maître. Vous confirmez alors, n'est-ce pas? Est-ce que vous confirmez également l'avoir vu avec un groupe de militaires quand il y a eu cette altercation? Ce jour... Oui, est-ce qu'il semblait être celui qui dirigeait ce groupe? Oui, il était avec deux pick-up Nissan, couleur blanche. Très bien, deux pick-up couleur blanche. Est-ce qu'il y avait un véhicule de commandement? Non, il était, c'est là, les pick-up confortables, là. Nissan blanc, c'était pas les pick-up Nissan. Très bien, toujours est-il que c'est lui qui commandait ce groupe de militaires, n'est-ce pas? Oui, c'était ça, ça garde, c'était... Très saison. Bien. Et dites-moi, qui a résolu cette histoire entre vous et M. Marcel? Qui a résolu le différend? Juste... C'est le commandant Toumba. Alors, merci. Et est-ce que... À quand remonte votre amitié avec le commandant Toumba? Je ne suis pas forcément ami à Toumba, on n'est pas de la même génération. Mais j'ai connu Toumba janvier-février, qui était venu en permission de Soronkone à Conakry. Pendant l'état de siège, il avait été raflé par mes services. Il avait son titre de permission qui était fini. Oui. Il devait se rendre, je crois qu'il avait eu un décès, il était venu. Il devait se rendre, il a eu ce malheur d'être arrêté, il m'a expliqué. J'ai appelé son chef d'alors, qui a confirmé que c'est leur médecin. Et je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un pour qu'on fasse la mise à disposition. Ce jour, un capitaine est venu, nous avons fait la mention de mise à disposition. En ce moment, il était caporal-chef. Oui. Il n'était pas gros comme ça, c'était un jeune. Je voyais que ce qu'il me disait, c'était de la vérité. J'ai fait la mise à disposition à son commandant de compagnie. Il est parti. J'avoue, ça c'était janvier-février. 2007. Je n'ai plus vu Toumba. Ce n'est qu'à la prise du poids par le CNDD. Ce problème entre Marcel et moi, puisque c'était la personne finalement auquel on m'a dit d'aller, je suis allé le voir. Quand il m'a vu, lui m'a reconnu, mais moi je ne reconnaissais plus Toumba. Est-ce que... N'est-ce pas le moment où cette amitié est née entre vous deux? C'est pas, on n'est pas amis. Est-ce que quand il y a eu ce problème avec Marcel, il ne vous a pas rendu l'ascenseur, il ne vous a pas retourné l'ascenseur? Vous lui avez fait du bien en 2007, il en a eu l'opportunité en 2009, il vous a rendu l'ascenseur. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais d'abord, il me connaît. Oui. Il sait que je suis quelqu'un d'honnête. Oui. J'étais en exercice de mes fonctions. Et il est le commandant, c'était son subordonné qui venait de commettre ça.
Très bien. Sur un supérieur, qui me connaisse, qui ne me connaissait pas, si c'est un officier digne de nom qui devait faire sa mission, il a fait ce qu'il devait faire. Ça n'avait rien à voir. Moi, je ne me rappelais même plus de lui. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire c'est justement à cause de cette amitié que vous avez tenté le premier jour de modifier vos déclarations à cette barre? Je n'ai pas modifié, ce n'était pas bien compris. J'ai dit à l'intérieur du stade, en tête, je le réaffirme. C'est pour cela, hier, j'ai corrigé. Non, moi, je m'interroge seulement. Pas, vous, maître, avec votre permission, je n'ai ni de près ni de loin. D'abord, tout bas, tu ne peux pas t'approcher. Ils étaient dans un groupe. Non, moi, je ne parle pas de sa force ni de son...